bienvenue à tous. Merci à l'équipe d'Annecy de nous recevoir ici. Alors bonjour, je m'appelle Ali Gomrani, je viens des Hautes-Pyrénées et je vole en solo depuis septembre 2011. Ah moi ça, je vole depuis 92, une vingtaine d'années, un peu plus. Petit formateur fauteuil donc... Voilà, quelqu'un qui a pas mal d'expérience sur le sujet. Bah c'est vrai que le parapente, moi, avant que vraiment on mette dedans, ça peut paraître un sport vraiment... un peu fou, voire impossible. J'ai pas d'abdos et c'est vrai que je me posais aussi pas mal de questions sur ça. Et en fait, ça devient un sport vraiment d'équipe. On progresse et il y a vraiment une alchimie entre tous qui est motivant, qui est très forte. Et je pense que c'est une super belle aventure à faire. Et même là, ça faisait longtemps que j'avais pas volé seule. Donc ce matin, j'ai fait un vol en bi. Donc déjà là, j'ai pu voir un peu comment le terrain était. Moi, c'est surtout l'atterrissage en fait qui... souvent, j'y arrive un peu trop haut. Donc c'est vrai que le deuxième vol de cet après-midi en solo, j'étais déjà rassurée, mais c'était juste du bonheur. Quoi. J'habite en région parisienne, donc c'est vite compliqué d'avoir à la fois un fauteuil, une voile, pour les transporter chaque fois qu'on veut. Donc tant que j'ai pas mon matériel, je trouve ça aussi chouette de pouvoir aller sur des endroits où il y a du matos et connaître les gens, rencontrer des pratiquants. Enfin, c'est toujours des bons moments de voler ensemble et voler à plusieurs. On a toujours beaucoup à apprendre. Moi, je considère que je suis toujours en apprentissage. Parce que je trouve ça aussi chouette d'avoir des contacts un peu à un endroit à un autre et puis se dire... ben voilà, à tel endroit, il y a un fauteuil, éventuellement, je peux prendre contact, je peux y aller, et puis peut-être qu'on peut voler. Alors ouais, au niveau logistique, moi j'ai chapeau quand même à toute l'équipe, parce qu'on est quand même un paquet de dandy. Un super élan qui se crée et qui permet d'avancer. Là, on a une vraie coordination, en fait, et c'est ce qu'on attend de ce rassemblement là-dessus. J'ai fait des belles expériences, ouais, c'était vraiment génial. Puis là, d'être ici, je connaissais pas du tout, en fait, le lac d'Annecy, c'est juste magique, quoi. La balle. Sinon...